Le Made in France euh, continue de vendre, en fait. Donc, euh, c'est un gage de sécurité, c'est un gage de, de qualité, euh, qui, moi, me, étant une marque euh, qui débute euh, dans cette industrie, je pense, euh, va me servir, j'espère. Voilà, je pense que ça, ça rassure le, les consommateurs de savoir que... Voilà, qu'on travaille avec des labos qui sont experts et qui travaillent avec de grandes marques de l'industrie et des petites marques aussi. Bonjour, je suis Chantal Soutarson. Bienvenue sur Beauty Toaster, le podcast dédié à la cosmétique en mouvement. Aujourd'hui, je reçois Thérèse Mbungubaya. Française vivant à Londres, Thérèse n'en est pas à sa première expérience dans le domaine cosmétique, puisqu'elle avait lancé il y a quelques années l'une des premières box beauté en France. En ce mois de mai, elle nous fait découvrir Koba, sa marque de soins, dont la particularité est d'utiliser une toute nouvelle matière première. C'est une huile végétale et c'est la première fois qu'elle est utilisée en cosmétique. D'ailleurs, ça a été tout un process pour la faire reconnaître officiellement. De l'idée apparue en plein confinement 2020, tiens tiens, à la sortie des premiers produits. Thérèse nous raconte son parcours d'entrepreneur. Allez, à vos écouteurs, c'est l'heure de Beauty Toaster. Bonjour Thérèse, bonjour Chantal, qui êtes-vous Je m'appelle Thérèse Bungubaya, j'ai 36 ans, euh, je suis la créatrice de Coba Skincare, qui est une nouvelle marque de produits cosmétiques. Euh, J'habite à Londres depuis 12 ans mmh. et je suis maman de deux petites filles de 5 et 3 ans. Et euh, vous avez un solide background cosmétique. Hein. C'était un rêve de petite fille de, de travailler dans ce secteur Pas vraiment, parce que quand j'étais euh, plus jeune, je me voyais plutôt avocate ou euh, journaliste. Euh, moi, mon rêve, c'était d'être reporter sans frontières. Ou, ah euh, oui ou même médecin sans frontières. Voilà, donc pas c'était pas une évidence. Mais euh, mes deux parents sont pharmaciens, et mon père est euh, notamment gérant de parapharmacie. Et, euh, et j'ai grandi vraiment en utilisant, grâce à lui, euh, toutes les, les marques de parapharmacie françaises, donc Nuxe, Caudalie, Vichy, La Roche-Posay, Rock à l'époque. Oui. Donc euh, vraiment, j'ai toujours eu cette sensibilité-là euh, aux produits. Euh, aux produits qui avaient des résultats efficaces euh, voilà j'ai grandi comme ça et en fait à la fin de mes études donc j'ai fait une école de commerce euh, j'ai euh, j'ai d'ailleurs fait un mémoire de fin d'études sur euh, comment intégrer le développement durable dans l'industrie cosmétique ah ouais euh, déjà qui ah m'a permis d'intégrer ensuite Clarins <laughs> ah ouais, en stage de fin d'études où j'ai travaillé pendant pendant un an et après cette expérience-là, j'ai monté d'ailleurs une première start-up dans, dans la beauté, qui était un abonnement pour recevoir des échantillons de produits cosmétiques à la maison. Okay. Ça s'appelait Boudoir Privé à l'époque. D'accord. Euh, on a revendu euh, notre start-up à Jollybox, qui était un concurrent français qui allait euh, au Royaume-Uni à l'époque, mmh. qui a ensuite été racheté par Birchbox, qui existe encore aujourd'hui. Yes. Voilà. Et ensuite, après ça, je me suis décidée à rester dans l'industrie euh, cosmétique, mais plutôt dans le digital. Donc, j'ai travaillé pour euh, une marque euh, euh, britannique qui s'appelle Sarah Chapman avant de rejoindre L'Oréal, où je suis restée 4 ans. OK. Voilà. Donc euh, ensuite, euh, c'est donc c'était pas au début euh, une évidence, mais ça l'est devenu. Ouais. Voilà. Mm -mm. Quand et comment est né euh, Koba Skincare Koba euh, est né en fait de la frustration que j'avais de ne pas trouver de crème pour les pieds au départ qui vraiment fonctionne donc mmh. euh, qui euh, apporte des résultats donc pour moi c'était vraiment euh, qui, euh, ce, qui qui euh, lisse les fendiments sur les talons qui assouplissent vraiment la peau qui la rend vraiment souple élastique euh, moi j'ai la peau euh, sèche et, et assez dure en fait au niveau des pieds et des mains et donc ça, ça avait été un complexe pendant pendant mmh. longtemps voilà, à tel point que je n'allais plus faire manucure ou pédicure, enfin surtout pédicure, dans des endroits que je ne connaissais pas parce que je ne ah voulais ouais. pas qu'on pose de questions. <laughs> J'avais eu droit à des commentaires qui m'avaient vraiment refroidi. Ah euh, ouais. Voilà, et en fait, comme je travaillais dans l'industrie, je ne comprenais pas en fait, comment c'était possible de dépenser autant d'argent en fait quand on parle de visage, de cheveux, de corps, mais en fait, une fois qu'on arrive au pied, il n'y a plus rien donc, euh, voilà une crème qui, à la fois, apporte des résultats, mais qui est également, euh, un côté, euh, utilisation très, euh, très sympathique, avec, euh, voilà, des jolies textures, des textures agréables, pas trop collantes, euh, des senteurs euh, qui soient agréables, un parfum un peu euh, particulier, et des jolis packaging. Ouais. Euh, voilà, de, de trouver en fait la crème qui cochait toutes les cases, moi je ne trouvais pas, et j'étais... Mmh. J'étais frustrée. donc je me suis dit mais pourquoi pas en fait euh, la créer cette crème. Voilà, c'est parti un peu, <laughs> un peu de là. C'était quand ça euh, Pendant le confinement, <laughs> 2020, sans blague. Voilà. <laughs> on s'occupe comme on peut. Comme voilà, on moi c'était, ça a été euh, ma découverte du confinement. Puis je pense que j'étais aussi arrivée à un moment où je m'étais je me posais la question de qu'est-ce que je voulais faire de mes dix prochaines années en fait. Voilà. Mmh, où, comment je voulais occuper mon temps et trouver un projet qui me ressemble vraiment. Euh, et dans lequel j'allais vraiment euh, me dédier euh, corps et âme. <laughs> et euh, alors, vous avez souhaité utiliser un ingrédient inconnu, en tout cas de ce côté-ci de, de la Méditerranée, euh, c'est le safou. Alors, mmh. expliquez-nous ce que c'est. Alors, le safou, c'est un fruit, un fruit qui euh, pousse en Afrique centrale et en Afrique de l'Ouest, qui pousse sur un arbre qui s'appelle le safoutier, son nom euh, botanique euh, d'Acriodes et d'Ulysse. Euh, donc d'aspect, en fait, ça ressemble à une prune. Okay. C'est une couleur euh, très euh, bleu-violacé, donc à l'extérieur. Et à l'intérieur, ressemble plutôt à un avocat avec un gros noyau. Euh, donc avec une pulpe très riche. Et, et cette pulpe, en fait, est riche en acides aminés, en acides gras, en vitamine C et en vitamine E. Euh, ce qui fait que c'est un c'est un fruit qu'on a qu'on a utilisé déjà dans la pharmacopée traditionnelle donc on utilise à la fois le fruit, mais même de l'arbre, on utilise la racine, on utilise les, les cortes, on utilise les feuilles euh, pour traiter euh, de l'anémie, euh, la dysenterie, les maux de dents, d'oreilles. Donc ça, vraiment, euh, en Afrique centrale et en Afrique de l'Ouest, c'est assez répandu. Mais, euh, mais voilà, moi, j'ai décidé d'utiliser ce fruit-là euh, pour, euh, pour euh, ses propriétés antioxydantes, anti-inflammatoires, euh, anti anti-âge. Euh, donc euh, voilà les bienfaits pour la peau, les bienfaits euh, pour les cheveux parce que ça, ça accélère également la pousse des cheveux et euh, ça améliore la brillance des cheveux mmh. et, euh, et voilà ce que c'est le safouille. En fait on le retrouve euh, donc dans différents pays d'Afrique centrale et d'Afrique de l'Ouest mais sous différents noms. d'accord peut-être que d'autres personnes le connaissent sous le nom d'atanga. C'est comme ça qu'on euh, l'appelle au Gabon, au Cameroun on parle de prune, prune d'Afrique. Okay. Euh, au Nigeria on parle de houbé. Et en fait, en, vous voyez, en, dans les pays anglo-saxons, euh, anglo donc moi j'habite euh, au Royaume-Uni, on parle de euh, African pear, donc la poire d'Afrique, ou African plum, la prune okay. d'Afrique, ou même butterfruit. Ah, intéressant. Et c'est un arbre qui est cultivé ou qui pousse comme ça Alors, c'est un arbre qui, est, euh, qui il peut être cultivé, mais en fait, il, il pousse vraiment en abondance. Euh, moi, je vais prendre le cas du Congo euh, parce que mmh. je suis, euh, je suis euh, congolaise euh, d'origine. Mais euh, vraiment, dans les jardins, chez les gens, il y a beaucoup de gens qui ont des, euh, qui ont des safoutiers chez eux. D'accord. Et en fait, ils les utilisent euh, pour, euh, pour l'alimentation euh, de tous les jours. Moi, chez mes parents, euh, quand on rentre, on cuisine en fait le safou. Donc, il ne se mange pas euh, cru, il faut le cuisiner. Donc, en général, il faut le faire bouillir ou le faire griller. On l'accompagne euh, avec euh, du sel et du piment. Voilà, c'est un accompagnement de, de plat en sauce, en général. Donc, c'est comme ça qu'on le mange. Et c'est comme ça que je l'avais toujours connu jusqu'à ce que je découvre un peu les propriétés de, 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 de ce fruit. Mmh. Et, euh, et voilà, donc vraiment, il pousse en, en abondance, euh, à tel point qu'il y a quand même beaucoup de, 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 de fruits qui ne sont pas euh, cueillis, oui, en, oui, oui. euh, en fait. Parce que l'avantage du safou, c'est qu'il peut rester sur l'arbre très longtemps. Euh, il ne tombe pas une fois qu'il est mûr, donc il reste sur les arbres. Il n'y a, a, a pas beaucoup de pays, en fait, en, dans cette région-là de l'Afrique qui... Euh, Transforme euh, le fruit pour autre chose que l'alimentation. Donc, nous, on, on achète notre, euh, notre huile de, de Safou au Cameroun parce que là-bas, pour le coup, euh, ils ont l'habitude d'utiliser, euh, de transformer le Safou pour, pour en faire autre chose. Donc, l'utiliser dans les cosmétiques mmh. euh, sous forme d'huile euh, Voilà pure, vierge, qu'on peut utiliser comme ça ou dans, dans, dans des formules. Ouais. Et c'est quoi l'avantage de cette huile, justement, par rapport à d'autres huiles qu'on peut connaître, euh, je ne sais pas, moi, comme l'huile d'argan, euh, l'huile de tournesol ou autre bah, Cette huile-là, elle est, euh, donc, comme je disais, elle est riche en acides aminés, en acides euh, aminé, acide gras, euh, en vitamine E, vitamine, vitamine C. Vous pouvez vraiment l'utiliser pure, mm. euh, à même la peau. Il n'y a pas besoin, elle est très peu euh, traitée. Il n'y a pas besoin de la transformer vraiment. D'accord. Il a pas besoin de la raffiner. Non, pas besoin okay. de la raffiner. Euh, le procédé d'extraction de, de l'huile est très manuel. Mm. C'est pas du tout une industrie euh, développée. Euh, elle se fait vraiment euh, l'extraction à la presse, euh, à froid, euh, à la main. Traditionnel. Euh, vraiment traditionnel et on voilà, on récolte l'huile euh, on, on met de côté euh, les dépôts donc euh, qu'on appelle les tourteaux mm. euh, qui sont même eux réutilisés en fait pour l'alimentation soit des enfants soit du bétail ah, oui. euh, voilà donc on, on essaie d'optimiser. Ouais, exactement et il n'y a, a pas besoin en fait de, de culture comme euh, par exemple pour l'huile de palme il faut faut ouais. planter les graines ouais. il voilà, y a vraiment des, des, des des euh, on dit des procédés vraiment à suivre en termes de culture là ils poussent vraiment euh, en abondance parmi d'autres arbres euh, voilà il mmh. y, mmh. y a des personnes qui, qui cultivent mais c'est assez rare en fait ouais d'accord voilà. Et euh, donc, vous avez, euh, vous avez fait émerger en quelque sorte un, un nouvel ingrédient euh, cosmétique. Et euh, bon, j'imagine que ça ne s'est pas fait tout seul parce que si euh, le safou, effectivement, est utilisé dans l'alimentation euh, en Afrique, ici, euh, quand on veut utiliser un nouvel ingrédient, ou, ou, notamment pour la cosmétique, il y a quand même un certain nombre de, de process à, à, à respecter, quoi. Oui, alors là, ça a été. <laughs> je sens. Ça a le... été le parcours <laughs> du combattant. Ouais. Ouais. Euh, C'est vrai que ça a été le parcours du combattant et ça a été une, une étape que j'avais peut-être sous-estimée en fait. Euh, au début de, de ce projet, euh, la capacité en fait de labo euh, européen à travailler avec un ingrédient euh, inconnu mmh. complètement. En mmh. fait, moi, je pensais que c'était quelque chose de d'assez simple. Euh, ouais. Mais non, il a fallu, déjà on a, on, a, on a essayé beaucoup de refus de laboratoires qui nous disaient qu'ils refusaient d'ajouter de, de nouveaux ingrédients dans leur glossaire, ils ne travaillaient que avec des ingrédients connus, connus. ce que je trouve assez limitant en fait sinon. Ah, euh, ouais. voilà, C'est quand même aussi bien de se renouveler, de découvrir de nouvelles choses, euh, même au niveau d'un laboratoire. Mais euh, oui, il a fallu en fait créer cette huile comme un ingrédient cosmétique à part entière. Euh, qui est reconnu par un organisme qui gère euh, vraiment euh, tous les tous les ingrédients au niveau européen qui s'appelle euh, le personal care products council PC, PC. Et, euh, et voilà et donc c'est cet organisme là qui euh, délivre en fait euh, euh, le, le comment dire comme le certificat de naissance oui. <laughs> de, de votre ingrédient cosmétique et donc il y a toute une batterie d'analyses de tests qu'il faut faire euh, avec des laboratoires indépendants euh, pour, pour voilà, constituer ce dossier-là, le, le soumettre à cet organisme-là qui va ensuite vous délivrer euh, mmh. voilà, la, la documentation euh, et, et travailler avec vous sur la bibliographie. Donc aujourd'hui, si on regarde euh, la bibliographie euh, de l'huile de safou au niveau européen, bah, vous verrez que c'est... Ça a été tout débuté par nous. Ouais. Par on Coba. est la première marque à, à utiliser, à introduire vraiment de l'huile de safou dans les produits cosmétiques en Europe. Bon, il faut bien un pionnier. Mais ouais, j'imagine que ça n'a pas dû être super simple. Quoi. Non. Euh, Est-ce qu'on peut l'utiliser sans la dénaturer Enfin, je sais que vous l'avez un, un peu dit, mais euh, euh, voilà, on n'a pas besoin de la transformer, de la raffiner, cette huile Non, vraiment, c'est une, euh, une huile végétale 100% naturelle, 100% bio, parce qu'il n'y euh, a pas du tout d'engrais utilisé euh, au niveau de la culture, voilà, en production, mais... Et oui, vous pouvez euh, demain euh, essayer de faire votre propre huile euh, toute seule dans votre <laughs> dans votre jardin si vous avez un safoutier, hein, le, le process euh, bah, est assez est assez simple en fait. Il suffit de, de de voilà de cueillir le fruit, de couper euh, le fruit en deux, retirer le noyau, faire sécher en fait au soleil euh, ou alors sinon euh, dans dans un dans un un, un séchoir adapté mm. euh, le, le fruit et ensuite de presser au ouais. bout de trois jours de presser vraiment la pulpe. Du Fruit pour en obtenir de l'huile et euh, voilà de séparer ensuite euh, le, les autres résidus euh, euh, de l'huile. Et, et cette huile là, vous pouvez euh, vous pouvez l'appliquer euh, directement à même la peau euh, ou enfin, euh, ou même la, en ajouter quelques gouttes dans vos produits cosmétiques. Ouais. À vous, hein ouais, ouais, ouais. d'accord. Et euh, c'est simple de formuler justement avec cette huile ou parce qu'il y en a certaines qui sont un peu instables, etc. donc euh, ça demande. Euh, Parfois une capacité à formuler un peu compliquée quoi. En fait non, une fois qu'on a compris comment la manipuler, c'est euh, assez simple. Donc c'est une huile qui se fige quand elle est à température trop basse. Ouais. Euh, un peu comme euh, l'huile de palme. Voilà. Mmh. Mais en fait il suffit euh, de, de de la remettre à température ouais, euh, ambiante. ambiante. Euh, et voilà, elle se, elle se reléquifie. Ouais. C'est euh, magique. C'est assez, assez simple. En fait, voilà, <laughs> une fois, en fait, une fois que vous avez trouvé le laboratoire qui est assez euh, fou, aventureux <laughs> pour vous accompagner dans cette aventure, c'est facile. De, ouais. voilà, Ça devient un ingrédient comme les autres. Et le travail est le même qu'avec d'autres ingrédients. Le, le, dé, le début oui. est ce qui est le plus difficile. Voilà. En fait. voilà. Et notamment trouver le laboratoire, c'est trouver le laboratoire. Ça a été long. Ça a été, et a... Ça a été euh... oui non. J'en ai contacté, je pense, une douzaine. D'accord. En France d'ailleurs. Oui, en France, ouais. parce que mmh. je tenais vraiment à travailler avec des laboratoires français. Mais euh... oui, j'en ai contacté une douzaine. Euh... J'en avais retenu, je pense. Euh quatre sur ma shortlist et, euh, et voilà et j'ai sélectionné euh, trois laboratoires je travaille avec trois laboratoires ah ouais quand même ouais, avec trois laboratoires bon deux qui font partie d'un groupe mais il y en hmm. a un troisième euh, qui euh, qui ont été euh, vraiment des partenaires plus que des laboratoires euh, prestataires de services c'est à dire que vraiment ils ont soutenu le projet euh, ils ont cru en moi ils ont cru euh, ils ont cru dans le projet et ils étaient vraiment à 200% pour faire partie de l'aventure voilà, avec moi. Donc, c'est euh... un plaisir de, de, de travailler avec eux et, je, et vraiment, ça, ça simplifie aussi la relation au quotidien parce que j'ai l'impression qu'on fait partie de la même équipe. Ouais, voilà, ouais, ils, sont, euh, ils sont tout aussi excités que moi de voir le projet euh, enfin euh, se concrétiser ouais. au bout d'un an et demi de travail. <laughs> Ah ouais, voilà. Mais il faut bien ça, quoi, de toute façon. Euh. Et, euh, et donc, ouais, il n'était pas question pour vous de travailler avec des laboratoires anglais Ce n'était pas plus simple, étant donné que vous habitez à Londres C'est vrai. Mais en fait, depuis le début de ce projet, je m'étais dit que je voulais travailler avec des laboratoires français. Parce que, euh, après, je suis peut-être un peu biaisée, mais étant française, et ayant grandi en utilisant des produits français, et maintenant j'habite à l'étranger depuis un certain temps, en fait, les, la France reste quand même euh, vraiment euh, le pays euh, qui a une expertise cosmétique, euh, enfin, euh, internationale, ouais. une renommée mmh. internationale euh, dans ce secteur-là. Le Made in France euh, continue de vendre, ouais, en fait. Bien sûr. Donc, euh, c'est un, un gage de sécurité, c'est un gage de qualité. Euh, mon, qui, moi, me, étant une marque euh, qui débute euh, oui. dans cette industrie, je pense, euh, va me servir, j'espère. Voilà, je pense que ça, ça rassure le, les consommateurs de savoir qu'on euh, voilà, qu qu travaille euh, avec des labos qui sont experts ouais. et qui travaillent avec euh, de grandes marques euh, de l'industrie euh, et des petites marques aussi. Ouais. On, on travaille avec des laboratoires euh, qui sont dans la Cosmetic Valley, ouais. en France. C'est euh, une référence. Euh, C'est une, une référence dans le secteur. Et, euh, et voilà. Et euh, vous avez développé trois produits. Alors, une crème main, une crème pied et un baume lèvre. Euh, en quoi vos, vos formules sont différentes de l'offre qui existe déjà Alors, déjà, bon, on a compris que vous aviez envie de faire quelque chose de plus sexy que les produits alors. pharmaceutiques. Oui. Euh, alors, oui, tout à fait. Plus sexy euh, en termes d'expérience de, euh, cliente, mmh. je dirais. Euh, en revanche, comme eux, moi, je mets euh, l'accent sur, euh, <laughs> sur euh, les résultats. Ouais. Donc euh, voilà, moi, avant tout, je crée des produits qui ont des résultats. On fait des tests avec euh, des panels d'utilisateurs qui sont complètement externes. Donc ce sont des tests... Euh, on paye. Euh, ouais. voilà des tests d'usage des tests pour, pour toutes les revendications euh, qu'on qu a sur nos packaging ouais. sur tests sur obligatoires nos, voilà. de toute façon on peut des pas tests obligatoires mais, mais exactement des tests obligatoires qui ont des résultats qui sont vraiment très concluants euh, avec euh, des, des, des intentions d'achat euh, derrière euh, qui étaient vraiment prometteurs donc euh, euh, C'était très très encourageant à ce niveau là mais euh, voilà donc nous au départ je pense que c'est vraiment les résultats ouais. voilà c'est pour ça c'est ce que je voulais hein. quand j'ai créé la crème main, euh, la crème pied pardon euh, je voulais vraiment avoir des résultats visibles mmh. et oui. des résultats visibles rapidement donc ça c'est la première chose la deuxième chose c'est que je pense qu'on adresse euh, un problème. Euh, un, peu, un peu atypique. C'est-à-dire qu'on on, on travaille vraiment, nous, sur euh, l'hydratation euh, longue durée de, ouais. des peaux. Donc nos produits marchent très bien sur euh, les peaux sèches. Mmh. Euh, donc voilà, c'est un, un positionnement. Nos, nos produits sont adaptés à évidemment, tout type de peau, parce que tout type de peau a besoin d'hydratation, mais ils marchent encore mieux euh, sur, sur les peaux sèches. Euh, voilà et donc et en plus de ça, euh, on utilise cet ingrédient euh, donc dont vous avez parlé, euh, l'huile de safou, que personne n'utilise. Ouais c'est ça. Euh, en Europe, euh, peut-être que c'est un, un nouvel ingrédient qui deviendra comme le beurre de karité mmh. dans quelques années, euh, une référence pour tout ce qui est euh, ingrédient nourrissant. Mmh. Euh, et hydratant des peaux mais en tout cas aujourd'hui voilà on, on estime qu'on est les pionniers ouais, euh, ouais. en Europe de, sur, sur ce sur ce segment là et euh, voilà on essaie de, de redynamiser de rendre un peu plus sexy effectivement euh, des, des, des parties du corps dont on parle peu en mmh, fait le, le pied euh, le pied c'est pas mmh. quelque chose pas vrai, dont on parle beaucoup ouais. et pourtant le pied c un, il joue un rôle tellement important toute dans toute nos notre vie, vie hein. voilà toute notre vie, euh, c'est notre premier mode de, de transport. Ouais, on ouais, fait entre euh, 6 000 et 10 000 pas par jour. C'est ça. Euh, J'ai une étude récemment qui disait qu'on on on fait euh, en, au stade d'une vie euh, deux fois le tour de la Terre. Euh, en termes de part. Ah ouais. euh, non, non, c'est. Quand même. Voilà. Et en fait, aujourd'hui, on le voit bien, hein, le, le, le bien-être avec euh, les techniques de réflexologie qui passent par, euh, voilà, soulager le, le, le corps par, euh, par les mains, par les pieds. Voilà, c'est quand même des parties du corps qui, euh, je pense, euh, vont redevenir un peu plus importantes dans les années qui viennent. Bien sûr. Et euh, on, on espère être vraiment euh, pionniers euh, dans. Sur ce segment-là, mmh. en proposant voilà, une solution qui est euh, un peu euh, innovatrice et, euh, et qui, j'espère, plaira. Mmh. Et alors, le parfum, vous l'avez fait développer à Grasse. C'était important pour vous d'avoir déjà un parfum euh, particulier et ensuite de le faire développer dans la, 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 la ville emblématique euh, du parfum Oui, je pense qu'au même titre que c'était important pour moi de travailler avec des laboratoires français. Euh, je voulais travailler avec des parfumeurs français et grâce étant un peu la capitale du parfum <laughs> euh, dans le monde. Euh, un, pour moi c'était une étape euh, obligatoire. Et, euh, et j'adore le parfum. Euh, <laughs> j'adore les expériences olfactives. Pour moi c'était important que les produits qu'on développe euh, aient vraiment une, une expert offre une expérience olfactive, euh, ouais. vraiment spécial unique euh, à nos clients voilà parce que bah, vous prenez une crème de, des pieds au moment où vous l'appliquez euh, le soir ou le matin après la douche en massant euh, voilà c'est un moment pour vous vous massez euh, vous stimulez euh, les articulations mmh. voilà euh, c'est un, comme un mini euh, un, un mini spa euh, ouais. un, un traitement un peu de spa ouais, ouais. mmh. C'est votre minute à vous euh, voilà donc pour moi, ça passe par la texture de, du, du produit, ça passe par le parfum du produit, tout ça vous met dans ouais. une ambiance. Donc, ouais. euh, et le packaging aussi c'est mmh. important. Ouais. Euh, donc voilà, c'est pour ça que pour moi, euh, voilà, je voulais travailler avec des, avec des parfumeurs euh, qui allaient me, me créer un parfum signature. Et d'ailleurs, ils l'ont très bien fait. Le, le parfum, en fait, euh, signature de Cobard, recrée euh, le, le, le parfum naturel de l'écorce de Safou, ah ouais. qui, une fois euh, qu'elle est brûlée, sent divinement bon. D'accord. Donc on a recréé euh, ce, ce, ce parfum-là. Euh, donc c'est un parfum qui est naturel. Et, euh, et en fait, c'est un peu le, le fil conducteur qu'on retrouve dans tous les produits, à chaque fois un peu twisté, euh, euh, un côté un peu plus euh, épicé, un côté un peu plus euh, boisé, mais des, des, des senteurs très, euh, très sensuelles. Oui, d'accord. Ouais, très, euh, très luxe. <laughs> et euh, alors, si l'île de Safou devient un ingrédient intéressant pour la cosmétique, euh, elle sera forcément très demandée. À l'heure où de plus en plus de marques euh, tentent de, de, de se passer euh, de l'huile de palme, notamment, euh, comment éviter qu'on qu en arrive justement à la situation qu'on connaît en Asie, euh, où euh, voilà, des pans entiers de forêts ont été dévastés pour planter euh, des, des, oui, des palmiers, des palmiers. <laughs> euh, Bon, je, Comme vous nous avez dit, de toute façon, ça, ça pousse comme ça, mais voilà. mais bon. Bah, il y a toujours un risque. Effectivement, il y a, il y a toujours un risque. En tout cas, aujourd'hui, je pense qu'on est, on est encore à des années oui. de ce genre de, de, de situation pour euh, l'huile de safou, en sachant qu'il n'y a pas vraiment d'industrie qui existe. Euh, mm. voilà. Mais ça peut donner des idées. Mais ça peut donner des idées, effectivement. Après, je pense que peut-être l'avantage, c'est qu'effectivement, comme le c'est un, un arbre euh, qui pousse en abondance, euh, que les gens non dans leur jardin euh, sans ouais. vraiment rien faire. Est-ce qu'on va avoir besoin de développer vraiment toute une industrie euh, avec mm. des cultures, euh, de couper des arbres pour planter plus de safoutiers, ouais. etc. Mm. Aujourd'hui, l'avantage, c'est que même les personnes qui ont des hectares de safoutiers, ils ont sur leur terrain autre chose que des safoutiers. Ouais, d'accord, ok. C'est pas. Y a, y a, y a pas c'est pas, des... pas une monoculture. Non, c'est pas une monoculture. Mm. D'accord. C'est un arbre qui pousse euh, parmi d'autres arbres. Ok. Donc. Euh, pour l'instant, euh, ce risque-là, je ne le vois pas, je ne le vois pas venir tout de suite. Mais euh, j'espère juste que ce sera, si jamais on arrive à, à ce que, ne serait-ce qu'une industrie se mette un peu en place, mm -hmm. ce sera réglementé. Mais ce sera certainement réglementé aussi par euh, des gens comme moi qui euh, prendront ce genre d'initiative et ouais. qui travailleront euh, avec euh, des petits producteurs. Mm -hmm. euh, euh, et qui auront une attitude très responsable, ouais. très euh, tournée sur euh, l'environnement. Et le euh, sociétal. Et le sociétal, mmh. pour éviter justement ce genre de travers. Ouais, ouais. Là, vous travaillez pour, en l'occurrence avec des petits producteurs, de on toute façon. avec des petits ouais, producteurs, ouais. effectivement. Mmh. Et euh, alors, si on se projette d'ici euh, un à deux ans, euh, voilà, comment, comment sera COBA euh, alors, euh, d'ici un à deux ans, écoutez, j'espère qu'on aura euh, lancé beaucoup de produits. <laughs> Là, on, on lance une première collection qui contient donc les trois produits ouais. qui sont la crème main, la crème pied et le baume lèvre. Il euh, y a d'autres produits body qui arrivent euh, d'ici la fin de l'année. Et j'espère euh, qu'on va pouvoir également euh, lancer euh, d'autres euh, segments que mmh. le body D'accord. Et euh, on travaille déjà dessus hein, sur... Euh, du, des produits face care et on réfléchit aussi à une ligne air care ah ouais, puisque, totalement euh, voilà l'huile <laughs> de sa fou fonctionne aussi très bien pour les cheveux euh, voilà et, euh, et j'espère qu'on va développer notre réseau de distribution aussi aussi là mmh, pour l'instant on important. commence avec euh, juste du B2C sur notre site mmh. euh, qui va qui va être euh, lancé euh, au printemps mais euh, on, on, évidemment on voudrait euh, aussi euh, travailler avec des partenaires retail euh, euh, classique ouais, euh, distribution sélective mm. euh, et en institut aussi euh, en salon enfin en spa c'est pas, ou... ou... pas ouais. oui mm. c'est pas, pas impossible mm. euh, on réfléchit à différentes options et, euh, et j'espère que en tout cas c'est peut-être un peu plus que horizon un ou deux ans mais euh, à terme euh, j'espère qu'on fabriquera notre propre huile de safo. ah ah, c'est aussi un projet sur beau lequel projet. on travaille et qui demande du temps mais ouais c'est ça Un oui. beau projet beau projet et euh, que veut dire Koba alors Koba donc Koba, ça vient du lingala euh, qui est un, une des langues euh, les plus parlées au Congo hmm et ça veut dire tortue Aha. Ah. Koba avec un n ouais. euh, qui veut dire tortue et pourquoi pourquoi tortue parce que euh, bah, la tortue symbolise la protection, à mon sens, la protection, euh, euh, les barrières contre les agressions extérieures avec sa carapace, la longévité. Voilà, et je trouvais que c'était un symbole qui, euh, qui allait très bien avec ce qu'on essayait de faire chez Coba, mm. euh, avec la marque. Donc. Euh, voilà on, on propose des produits hydratants pro, qui, qui nourrissent en profondeur euh, voilà qui protègent un peu la peau des agressions extérieures qui protègent la barrière cutanée euh, voilà et, euh, et c'est aussi mon animal préféré la tortue mm. mon animal totem euh, voilà pourquoi Koba. et je voulais vraiment je voulais vraiment avec euh, avec euh, la marque célébrer l'héritage africain ouais. puisqu'on utilise un ingrédient qui vient euh, d'Afrique je voulais un nom euh, africain, mais mmh. qui soit facilement prononçable dans toutes les langues, euh, facile à appeler. Et euh, oui, c'est un peu tombé euh, comme une évidence, finalement. Mais <laughs> longue vie à Koba, alors. <laughs> Merci beaucoup, Chantal. Merci, Thérèse. C'est déjà terminé Le temps passe si vite. Merci de nous avoir écoutés. Si cet épisode vous a plu, pensez à nous laisser une note et un commentaire sur Apple Podcast ou sur la plateforme d'écoute de votre choix. Et puis, Parlez de beauty toaster à au moins deux personnes de votre entourage, ça m'aiderait énormément. Enfin, n'oubliez pas, désormais on se retrouve tous les vendredis, première heure. Alors, à la semaine prochaine